Salutations, ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour un épisode chance encore toujours sans dormir et en compagnie des Holchaldicts que vous ne verrez pas parce qu'ils sont tous en train de dormir, je sais pas où ils sont, mais aujourd'hui ils sont pas là. Et du coup, voilà, on se retrouve aussi en compagnie de notre spawner à squelette. Voilà, je vous rappelle, trois spawners, beaucoup de stress hier. Pas eu le temps encore d'aller ranger d'ailleurs les petites affaires que j'avais récupérées ici. Donc on a un petit accès ici plus rapide. Pour aller au spawner au squelette, j'ai fait un petit tunnel rapidos pour aller à ce spawner à squelette. Il faudra le même pour aller au spawner à zombies. Et puis, bah, de toute façon, pour les optimiser, il faudra du sable des âmes. Donc, il faudra qu'on aille eh bien, dans le nether chercher du sable des âmes qu'on n'a toujours pas trouvé. Le biome basalte ne nous facilite pas du tout la vie. C'est vraiment très compliqué. C'est d'ailleurs la rédemption de Dowin que d'optimiser cette échelle par du sable des âmes. Donc on attend avec impatience qu'il ait trouvé le temps d'y aller. Ok, alors dans précieux, on va mettre ces graines parce que du coup, ça c'est précieux. Étiquette évidemment, c'est précieux. Les livres de moins en moins par contre, mais je vais quand même le mettre là. Tout le reste, ça va, on peut le mettre ailleurs, ok, on va ranger un petit peu hein, quand même, j'ai dit au Holchaldict que comme on jouait à plusieurs, il fallait penser à ranger, voilà, c'est important quand on joue en multi, bah, de respecter les autres, et puis bah, de ranger du coup tout ce qu'on trouve et tout ce qu'on mine, parce que sinon bah, c'est le bazar, voilà, d'où l'intérêt de faire une belle salle des coffres et de pas faire comme ça, hein, de tout laisser en vrac ici. Alors je vais quand même poser ici ce que j'ai récupéré sur ces épisodes là, c'est juste pour que les Holchaldicts voient un petit peu le bilan. Ouais non, peut-être pas ça, ça ils s'en foutent. Non c'est surtout ça, là, voilà, la géode, on va mettre ça, voilà, c'est un peu, hein, c'est arrangé mais parce qu'il n'y a pas encore de coffre vraiment attitré à ça. D'ailleurs la pomme d'or, on va aller la mettre tout de suite dans précieux. C'est un peu précieux quand même. Hop. Faudrait qu'on se fasse un coffre-fort. Ouais, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, en commentaire, est-ce que ce serait sympa de faire une salle coffre-fort avec, pourquoi pas, un peu de redstone pour l'ouvrir? Un petit code que seul moi et les Holchaldicts triés sur le volet connaîtraient pour aller dans le coffre au précieux. Ce serait rigolo, non? Qu'en pensez-vous? Allez, on se lâche. On va en commentaire, et puis on laisse un petit commentaire. Je vous rappelle, hein, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, activer la cloche des notifications, tout ça contribue à ma visibilité. Et donc au fait que j'ai de plus en plus, comme vous, de sympathiques viewers. Tiens, on dirait que quelqu'un a tout mis en bas. Pourquoi ils ont tout mis en bas? Je sais pas. Ok, donc on va remettre tout en bas. Je sais qu'il ne faut pas utiliser pour l'instant tous les blocs de fer brut, parce que Stellman en voulait un peu pour la déco, je sais pas si c'est fait. Après, bon, on a tellement de fer, regardez tout ce qu'on a farmé, c'est 9 fer brut à chaque fois, hein, ça, donc on est à des plusieurs centaines de lingots, c'est juste de la folie. La veine de minerai, là, a été très rentable. J'ai beaucoup de bazar sur moi, c'est infernal, hop, ok, bah, par contre, les autres trucs, je sais pas où ça se range, si charbon et redstone, ça je sais, alors redstone, je vais peut-être la garder sur moi. Là, je vais même d'ailleurs peut-être en reprendre. Ouais, alors il y a une logique de rangement qui me dépasse. Des fois c'est en haut, des fois c'est en bas. Il va falloir qu'on en discute avec les copains parce que là, je comprends pas tout à leur logique. Je sais que les tonneaux c'est pour les dérivés. Voilà, ben là il y a des blocs en haut, il y a des blocs en bas. Voilà, c'est totalement logique tout ça. Donc on va arrêter un peu les bêtises là. On va mettre les trucs dans le coffre du bas et les coffres du haut, c'est après quand on... Voilà, c'est pas des dérivés, du coup, c'est les basiques. Ok. Je comprends pas du tout, des fois, comment les gens réfléchissent leur rangement. Mais c'est pas grave, du moment qu'on s'y retrouve. Du coup, le reste, je sais pas trop où ranger. On va mettre dans la rangée, pour l'instant, parce que je ne sais pas. Ça, je garde sur moi. Le pain, je vais peut-être garder sur moi. J'arrive au bout de la nourriture, là. Et puis un petit coffre là qui traîne si quelqu'un a besoin. Ok, on est bien. Il faudra récupérer du coup ce qu'il y a dans le coffre des squelettes et ce que j'ai laissé dans le coffre des zombies. Mais c'est pas urgent. Mais en parlant de rangement, j'ai envie de commencer à s'attaquer avec vous à un autre rangement, celui que j'évoquais lundi. À savoir, dans la mine, on a quand même farmé une quantité astronomique de cailloux. Et du coup, bah, c'est là que se deviennent intéressants ce qu'on appelle des silos. Donc j'ai envie de vous montrer du coup ce qu'on va mettre en place. Et qui va requérir aussi d'aller un peu dans le nether. On va décidément être obligé d'aller faire un tour dans le nether.
Parce que du coup, il nous faudrait des lampes de redstone et il faut des lampes lumineuses pour faire des lampes de redstone. Voilà, c'est relativement limpide ce qu'il va nous falloir. Alors l'idée ici, ça va être de faire des silos de stockage. Et l'eau qui est là va permettre du coup ramener les trucs par les cascades comme je montrais lundi. En haut, on fera un trieur et puis bah, du coup, les silos vont se remplir. Et puis avec la jauge lumineuse, on saura s'ils sont pleins ou pas. Donc l'idée, bah, ça va être de mettre des coffres, tout simplement. Et là, je suis en train de me demander comment je les mets. J'aurais bien mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc disons 9 plutôt. Ouais, en partant de là, on laisse un bloc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah bah non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Ça fait que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ça fait 8. 8, bah ça fait 4 double coffres, ceci dit. Si je mets un double coffre là. Ah oui, mais il y a la lumière ici. Ah oui, c'est ça qu'il faut que j'anticipe. C'est ça qu'il faut que j'anticipe et que je n'anticipais pas là, en l'occurrence. Alors, on va mettre un bloc de bûches, de sapin à la place de la lumière. Voilà, ça, ce sera la jauge comme quoi le silo est plein ou pas plein. Donc, hop, un autre là. Et donc, la jauge, elle sera ici. Donc là, pareil. Ah, évidemment, il y avait de l'eau derrière. Hop! Il va falloir que j'arrive à calfeutrer l'eau le temps de travailler, là, parce que sinon, ça va être infernal. Et donc, ici, on va mettre un double coffre. Ici, un double coffre. Et voilà, on va faire 10 doubles coffres comme ça sur toute la hauteur. 3 colonnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une colonne pierre des abîmes, une colonne roche, je pense. Bon, après, ça se change, hein, ça, selon le besoin. Et une colonne tout le reste, une colonne tout le reste pour du coup bah, tout ce qui sera pas trié et bah, les gens viendront chercher en bas puisque ce sera descendant tous les trucs qui vont bien. Est-ce que dans les coffres là il y a de la terre à tout hasard, gravier, roche, terre, voilà, impeccable. C'est pour m'aider à construire. Et puis bah, on va aller tout de suite, hop, boucher pour l'instant. L'arrivée d'eau, donc on va la boucher ici carrément. Voilà, on va redescendre. Alors, vivement que je parte en exploration pour trouver des lianes, des bambous, parce que c'est vraiment laborieux là. Jazz aussi, il aimerait bien les bambous pour son... Hop. Ah d'ailleurs, il y a une petite erreur de gestion là. Bon, on verra ça après. Hop. Ok, alors, déjà préparer nos silos. D'ailleurs, il va me falloir un accès derrière. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ce qu'on va faire, c'est pour l'instant, de toute façon, ça, c'est du coup du lumineux. On va imaginer des lampes à la place des bûches. Voilà, vous faites un petit effort d'imagination et vous imaginez que ce sont des lampes. Hop, non, ça j'enlève pas, ça j'enlève, voilà. Et donc ça va être notre zone technique derrière. Pourquoi? Eh bien parce que du coup, qui dit silo dit entonnoir et coffre. Donc on va déjà mettre en place tout ça ensemble, hop, hop. Et ça va être un peu galère à poser, je pense. Hop, hop, hop. On va essayer de poser suffisamment de coffres, il va me falloir un accès derrière, c'est bien ce que je pensais, pour pouvoir monter ensuite. On va essayer comme ça. Voilà, un petit épisode tranquillou là du mercredi du coup, où on va un peu poser différemment les choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire déjà, on va essayer de se laisser tomber dessus, voilà, on va faire Stuck. Ouais, on va poser nos bûches d'abord. Essayer de sauter. Ah, raté. Je vais sauter dessus, mais c'est raté. Hop. Mauvaise pioche. Aïe. Ah oui, bah alors là, c'est pas une bonne idée du tout. Va vraiment falloir que je me fasse une sorte d'escalier là. Avec la terre. Vraiment, les échafaudages, c'est pratique quand même. Hein. Il n'y a pas à dire. Là, c'est un peu la galère. Hop. On va faire comme ça, comme ça. Là, on continue à monter. Alors là, par le dessous,
On va se faire déjà. Hop, hop. Voilà, par contre, du coup, je ne peux pas... Ah, je suis tombé derrière. Bon, eh ben, on va passer sur le côté. On va vraiment se faire ce petit passage que j'évoquais pour aller dans la zone technique. Voilà, sur le côté. Et donc, là, il va me falloir monter encore. Hop, hop, voilà. Ah, pas simple, hein. Pas simple du tout de build dans ce contexte. Hop, on va essayer comme ça. Hop, 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 hop. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Tiens, on va faire celui du haut d'abord. Mince, il s'est mal mis. Il s'est mal mis. Il faut que je sois un peu plus comme ça. Est-ce que si je le mets là, voilà, impeccable. Sur le côté, impeccable. Par en dessous, on va y arriver. D'ailleurs, c'est une erreur que je fais, mais bon, ça m'en fait combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il faudra quand même que je casse ces blocs-là, tout en haut. Parce que sinon le coffre, il ne peut pas s'ouvrir et donc il ne peut pas faire son office, tout simplement. Hop, voilà, donc cette colonne-là, c'est fait. Ok, on est bien. Donc on va essayer de faire les autres maintenant. Ah, c'est pas simple mon histoire. Hop, 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 hop. Est-ce que je peux... Ah, encore assez haut. Eh ben oui, je m'en doutais. Je suis pas assez dans le... Ah, je suis encore tombé, mais c'est pas vrai. C'est pas possible, madame votre fils, qu'il est maladroit. Ok, mais encore, on pense à manger, hein. Voilà, on va se mettre comme ça, puisque c'est comme ça, puisqu'on me complique la vie. Hop, voilà, tac. On va se reculer un tout petit peu. Et voilà, on va y arriver. On va y arriver, pas de panique. Hop, là. Impeccable. Impeccable. Ça le fait, ça le fait. Et non, celui-là, ça le fait pas. Voilà, on va faire comme ça, du coup. Hop, faut que j'aille récupérer tous ces coffres que je fais tomber. Même si Stellman m'en a fait une quantité astronomique, ce n'est pas une raison pour gâcher. C'est pas vrai, j'y arrive pas. Ah, c'est cette nouvelle façon de poser les coffres, des fois c'est bien et des fois c'est pénible. Voilà, on est à 10. On pense tout de suite hop, à faire ça. À faire ça. Et ça. Ok, donc là, déjà, on est bien au niveau des coffres. On va pouvoir enlever la terre qui est devant. Elle ne sert plus à rien. Tout va se passer derrière maintenant. Hop. On récupère notre terre. Impeccable. Et nos petits coffres qu'on a fait tomber derrière. Donc, l'idée maintenant, du coup, la lumière, je l'ai mis côté gauche. Donc, les entonnoirs, il faut que je les mette côté droit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, on va améliorer notre tunnel de maintenance. Ok. Et donc là, il faut que je pose des entonnoirs comme ceci, tout le long. Enfin, toute la verticalité, plutôt. Hop. Donc ça, c'est ce qui va, du coup, alimenter notre silo. C'est-à-dire que ça va tomber d'en haut et pzzloup, ça va se remplir de bas en haut ensuite. Hein, vous avez sans doute compris déjà le principe des entonnoirs. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va grimper un petit peu, se faire une petite plateforme là. Hop. Et voilà. Et on continue à mettre des entonnoirs. 3 par 3. Hop. Tiens, même peut-être 4 par 4. J'arrive à viser un chouille plus haut. Ah mince, je peux plus maintenant. Ah, c'est malin. On continue à monter, du coup, on se refait une petite ligne. Non, c'est pas une ligne comme vous pensez. Bande de malotru. Hop. Et tac, tac, tac. Tac. Oui, donc là, c'est pareil, il va falloir que je creuse au-dessus pour que ça puisse se remplir. Et il faut que l'eau passe là-dessus.
Ouais, je vais être obligé de remonter l'eau un petit peu d'ailleurs, je pense, parce que du coup elle arrive trop bas. Ou il faut que je sacrifie un des 10 coffres, 10 doubles coffres, mais alors vu la quantité qu'on a de pierres des abîmes, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de sacrifier. Ok. Bon, là on est bien. On est bien pour ça. Du coup, je vais vous montrer un peu le système qui ne sert pas à grand chose pour l'instant, donc je ne vais pas le mettre en œuvre totalement, mais juste vous montrer comment on allume les petites loupiottes qui ne sont pas encore là, donc ça sert à rien que je les mette. Mais juste pour vous montrer le système. Donc je vais vous montrer sur celui du bout comment on va allumer la loupiotte. Il me faut un bloc qui sert à rien. Un bloc qui sert à rien. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour que ce soit quand même du granit rose, c'est bien ça. Ah bah il n'y en a pas beaucoup ceci dit. Ils n'ont pas chopé tant de granit que ça. Si, ça m'aurait étonné aussi. Alors du granit poli, c'est très bien. Voilà, on va prendre du granit poli, on va en faire plus. Voilà, comme ça on sait que la redstone sera avec du granit poli. Ça fait un petit repère, comme ça, c'est bien. On arrive au bout de l'épisode, donc vraiment, il faut que je vous montre ça. Et puis je terminerai le silo ensuite hors caméra. Je vous montrerai quand même le trieur au-dessus. Peut-être demain. Je vais voir comment je peux faire. Donc l'idée, c'est d'envoyer du courant dans la petite lumière qui est symbolisée par la bûche en bois. Donc ici, on met un bloc, tout simplement. Et ah ben, j'ai oublié de prendre le nécessaire. Et comment on sait que bah, l'entonnoir qui est juste à côté, il est plein? Bah, avec un comparateur. Voilà. D'ailleurs, je vais en manquer parce que je me rends compte que niveau comparateur, je suis un peu court. Il m'en faut à chaque entonnoir et j'ai 30 entonnoirs et j'ai que 17 comparateurs. Donc, on va comparer ce qui est là-dedans et l'envoyer. S'il y a quelque chose, pouf, voilà. En gros, si l'entonnoir a au moins un item bloqué, c'est-à-dire que le coffre devant est plein, ça va allumer le comparateur qui va envoyer un signal ici, qui va allumer la petite lampe qui est derrière, tout simplement. Et alors, du coup, comment on fait pour le deuxième? Le problème, c'est qu'on peut pas mettre un... Si on met un comparateur juste au-dessus, ben, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, ça va allumer les deux. Donc, on est obligé de ruser. Donc, pour ruser, ce qu'on va faire... Alors, je vais mettre un petit bloc temporaire. Hop, ici, ici et ici. De mémoire, donc, il me faut... non, celui-là, il va pas être temporaire, autant pour moi. C'est pas des temporaires qu'il faut, là, c'est des comme ça. C'est des durs. Donc, même principe, on va comparer du coup ce qui est là, qui va s'envoyer, hop, c'est ici qu'il faut des temporaires, dans ce bloc-là. Ce bloc-là, on va le récupérer avec un répéteur, hop, qu'on va mettre dans ce bloc-là, qui lui-même va être répété dans ce bloc-là. Et comme ça, du coup, c'est quand ce comparateur-là, donc cet entonnoir-là aura un item, ça voudra dire que le coffre, l'entonnoir en dessous, et le coffre là sont pleins, ça viendra allumer la deuxième lampe, et ainsi de suite. On va répéter ce pattern là à chaque fois, c'est-à-dire que là, du coup, au-dessus, hop, on va mettre un comparateur, un bloc, et cette fois-ci, on refait le schéma de tout en bas. Voilà, et on va continuer à grimper comme ça, c'est-à-dire qu'on va se faire tout notre schéma de cette façon-là. Donc ici, on fait le même truc, je mets bien, voilà, là, on met un autre ici, 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 voilà, du coup, je suis bon là? Non, je suis pas bon là. Je compare celui-là, si c'est d'un, je suis bon. Donc, ici, on envoie là, donc pareil, petit bloc temporaire, là, on envoie dans ce bloc-là, avec les répéteurs, on fait le petit circuit, pouf, pouf, et on vient allumer ici. On continue ensuite au-dessus là, on compare. Donc on compare, non, dans l'autre sens. On compare dans ce sens-là et on envoie dans ce bloc-là. Et on recommence. Pouf, pouf, pouf. Bloc temporaire, faut que je fasse gaffe parce que je suis en train de monter, j'ai pas de quoi redescendre. C'est pas une bonne idée, n'est-ce pas? Là, hop, donc sur le bloc temporaire, on met nos blocs technique, on envoie, et on envoie. Et on est presque en haut, je finirai plus tard, parce que là, du coup, je suis un petit peu trop haut à mon goût. Donc, on va redescendre gentiment, hop, ici, sans se casser les jambes. Voilà, impeccable. On enlève les petits blocs temporaires, du coup. Et tout ce schéma-là, eh bien, on va le reproduire sur les trois silos, tout simplement.
Et comme ça, on aura notre système qui sera prêt pour allumer et remplir. Il nous restera tout en haut. Et c'est là que ça va se compliquer. Je pense, je vais fermer ici temporairement, à faire un trieur. Donc, je vous rappelle, un trieur, hein, c'est, il va falloir décaisser un petit peu derrière là. Il va falloir aussi ouvrir là. Et c'est là que ça m'inquiète parce que l'eau coule ici directement. Or, moi, je voudrais que le trieur, il envoie dans cet entonnoir là. Il va falloir faire un chemin d'eau un peu différent. Je ne sais pas comment on va gérer l'affaire là. Il va falloir réfléchir. Et ben, vu l'heure, je vais avoir le temps de réfléchir. Ouh là là, il fait sombre. Mais qu'il fait sombre. Et si je mets une torche dans ma main, est-ce qu'il fait un peu moins sombre? Et non. Alors ça, c'est pas normal par contre. Alors hop, option. On vérifie. Option graphique. Lumière dynamique. Bah oui. Détaillé. Terminé. Voilà, j'avais pas activé les lumières dynamiques. Ah bah voilà, tout de suite c'est beaucoup mieux. On se voit beaucoup mieux. Sur ma petite pile de dirt, du coup je vais réfléchir à l'histoire du trieur pour vous le proposer sans doute demain. Que je me rappelle, on est déjà mercredi. Donc du coup, demain jeudi, on essaye de mettre un petit peu mieux en œuvre ce silo là. Histoire que même sans les indicateurs lumineux, on ait au moins le triage. Histoire que voilà, les copains puissent commencer à travailler avec. Et puis, demain, après-demain, vendredi, ce sera le temps du bilan. Je vous l'annonce tout de suite, c'est-à-dire le bilan de la semaine. On fera un petit tour un petit peu de tout ce qui s'est fait. Et on accueillera d'ailleurs une nouvelle Holch Addict. Voilà, donc je vous rappelle, comme en toute fin de chaque épisode, que vous pouvez faire un petit pouce en l'air. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez faire rejoindre la chaîne si vous voulez nous rejoindre sur le serveur. Il faut au moins prendre l'option ciné ou restaurant. Je vous laisse cliquer sur rejoindre pour comprendre de quoi je parle. N'oubliez pas d'activer quand vous êtes abonné la petite cloche des notifications, parce que comme elle déconne pas mal, si en plus vous l'activez pas, vous risquez pas de voir que ça déconne. Ah ouais, est-ce que ça a un intérêt? Si, ça a un intérêt, allez. Et surtout, n'hésitez pas à tout nous dire en commentaire, le bon comme le mauvais, ou un simple bonjour, parce que voilà, ça participe toujours à la visibilité de ma chaîne. Voilà, donc si vous aimez le contenu, le vidéaste, ou même juste comme ça, pour me faire plaisir. C'est bientôt Noël, allez, on s'abonne, on notifie, on lâche un petit commentaire, le petit pouce en l'air, et tout le monde est content. Et comme ça, moi je vous dis à demain, si vous voulez bien, portez-vous bien, c'est l'essentiel. Ciao, ciao.